Salut, salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 15, la carrière avec Shrewsbury. Aujourd'hui dans cet épisode on va faire un match contre Leicester City, un match contre Walsall, un match contre Cardiff, et si on peut on fera peut-être même un quatrième match si on a le temps, parce qu'il faut qu'on aille vite, étant donné avant la sortie de FIFA 16, parce qu'on a quand même encore pas mal d'épisodes d'ici la fin de la saison. On va jouer avec l'équipe A contre Leicester, oui, c'est bien ça. On a des nouvelles rentrées, notamment Mickey Lopez, Monsieur Fagundes, qui nous a rejoint. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là, Fagundes. Il est là, Fagundes, que j'avais pas retesté depuis un moment. J'essaye d'avoir Villalba. Je vais essayer de me renseigner sur Hector Villalba, hein, celui que j'ai sur PES, qu'on m'avait conseillé sur FIFA aussi. Comme ça ferait une attaque Villalba. Ça serait totalement bizarre, mais bon, il faut essayer. On a de l'argent, on va essayer d'en profiter un petit peu. Allez, Lopez titulaire direct comme ça, numéro 42. Allez les gars, on fait un gros match. Il faut faire un gros match. Il faut faire un gros match. Hop, bien joué. Bien joué, Kister. Bien joué, Kister. Malheureusement, tu es tout seul. Allez, Bedimo qui aide un petit peu. Un petit peu. Hein. Oula, il y en a un qui était par terre sûrement parce que. Allez. Merde. J'ai fait niquer. Ouais, vas-y, comment le mec il arrive à centrer quoi. Allez, c'est parti, Kister, je l'ai vu ton appel. Hop. La frappe de Kister, le but. L'ouverture du score de Kister. Sur cette contre-attaque. C'est bien joué. C'est bien joué les enfants, on est en FA Cup en plus, ouais, il faut pas faire n'importe quoi. Ouais, après c'est de quasi fauchage. Le gardien il joue pas vraiment le ballon là. Hein. Là il y a pas but, je suis désolé, il y a péno. Là. Vu comment le gardien il jette les pieds devant. Il s'appelle Sean Kister. Allez, on couvre les ailes. Wow. Allez, bien joué pour Sow. Ah, dommage Benazé. Dommage Benazé. Allez, la passe. Wow. La petite frappe. Oh, ça passe à côté. C'est qui? C'est Lopez. C'est Lopez qui tente sa chance. C'était bien joué. Il était bien monté, Lopez. Allez. Faut couvrir, les gars. Faut couvrir. Ouais, vas-y, comment ils peuvent faire pour, ça va jouer sur le côté, ça, non? Ouais, la frappe, oh là 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 là, ça passe pas loin. Cagno qui était totalement impuissant sur cette frappe. Faut se réveiller, mon petit Cagno. Wow. Kister. Oh, la frappe et le but. Le but de saut sur ce bon travail de Kister. Cette perforation de la défense de Kister. Et ça fait 2-0. Ah, il s'est bien battu, Kister. Il s'est bien battu, le garçon. Et
Et à éviter le tacle. Et la petite passe au dernier moment. Le défenseur est un poil trop court. Le gardien est totalement battu. Voilà, c'est le ratio quand même. C'est expulsion directe. Auto-expulsion directe. Allez. Peut-être que sous la menace de faire entrer de nouveaux joueurs, ils vont peut-être se remuer un peu les fesses. S'ils ne veulent pas perdre leur place de titulaire. Bien joué. Allez, on l'a vu. Wow, monsieur l'arbitre, la faute. La faute, monsieur l'arbitre, totalement. Carton, monsieur l'arbitre, carton. Oh, c'est trop fort, ça, c'est trop fort. C'est directement sur le gardien. Il a mis une espèce d'angle dessus. Un truc de fou. Allez, on essaie de couvrir un peu les courses. Bien joué. Ça, c'était beau, ça. Allez, Kister, il est chaud patate. Kister, il est chaud patate. À part Kister, il n'y a pas grand monde qui est chaud patate. Allez, l'accélération peut-être sur le côté, le centre. La tête, il est tout seul. Il est tout seul, So. Il met la tête, il met un doublé. Nunzio So. Qui marque de but. T'as fait 3-0. Et c'est que la mi-temps. Bah, il est tout seul, So, il est tout seul. Totalement délaissé par le marquage de Leicester. Et c'est la mi-temps. C'est une confortable avance de 3-0. Ça fait plaisir. Allez, on va attaquer la deuxième période avec autant d'envie. Ce serait bien. Autant d'envie, autant de beaux jeux. Parce que quand ça marque, c'est que ça joue bien. Forcément. Même si on peut marquer que des buts de merde. C'est possible aussi. Et on a de la chance aussi. On a de la chance. Encore une fois, le gardien qui était battu. Le gardien qui était totalement aux fraises. Kister qui se bat, mais Kister qui n'y peut rien. Si tu veux pas prendre le ballon, mon garçon. Allez, la petite passe pour So. So, le but. Ah non, pas So le but, c'est dommage. On est passé pas loin du quatrième. Et de la correction. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait, Benezé? C'était quoi ce contrôle orienté totalement involontaire? On n'est pas passé loin de la correction, là. So, il a failli mettre un triplé, quoi. Ça va jouer en bas, ouais, c'était sûr, ça. Ça va rejouer en bas. Allez. Wow. Wow, c'est bien joué là. Là, il était réveillé. Il était réveillé, le gardien. Il nous a fait un bel arrêt. Hop, on va dégager tranquillement ce ballon. Allez, on va rejouer sur le côté. Ah, là. Ah, ça aurait pu être pas mal. Ça aurait pu être pas mal, sauf que Bedimo, il est pas parti. Il a pas compris que j'attendais de lui qu'il fasse un appel.
Hop là. Allez, on va aller chercher ces joueurs de Leicester. On va presser comme des fous. On va bientôt faire des changements aussi. Oh là, très très long ce centre. Très très long, très très long la tête. Oh là là, comment il fait pour le rater. On croirait que c'est Sow. Il joue contre nous. On croirait que c'est Sow qui joue contre nous. On va faire entrer le petit Fagundes. On va faire entrer Griot à la place de Van Beek. Et à la place de Benezé qui était relativement transparent. On va faire entrer. On va faire entrer Bouffal. On va faire entrer Bouffal. Voilà. Oui, parce que nous on met des milieux. Enfin, on met des joueurs de côté sur le milieu parce qu'on s'en fout. Parce que ça marche aussi. Oh là, ça c'était une sacrée mauvaise passe. Allez, directement dans les bras de Cragno. C'était pas dangereux du tout. C'est mal exploité ce ballon. Allez. Le petit ballon. On va aller chercher les collègues. Merde. Allez, c'est bien récupéré. Ah. Un peu d'approximation cette fin de match. Hein. Mais bon, ça défend bien. On n'a pas de problème défensif, donc tout va bien. Allez, ça c'est bien joué ça. C'est bien joué. La frappe. Oh le but. Le quatrième. Le but de Lopez. Pour le 4-0. C'était bien joué. Le bon travail sur le côté. Il a effacé les deux défenseurs. Hop, la passe, il est tout seul. Le petit contrôle et la frappe enchaînée. Premier poteau. Qui vient tromper le gardien. Son premier but en un seul match. Enfin, sur son premier match à Mickey Lopez. C'est bien joué. C'est bien joué. Un bon match. Leicester qui n'y arrive pas. Leicester qui n'y arrive pas. Non, c'est pas là que j'ai demandé la passe. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est récupéré. On va repartir à l'offensive. Hop là. Et bien c'est terminé. C'est la victoire 4-0 sur Leicester en FA Cup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 12,5 millions, ça fait un peu beaucoup. 21 millions, voilà, ça fait un petit peu beaucoup. J'ai essayé de voir si je pouvais pas avoir ventre intérêt. Ouais, je peux pas. Autour de 12 millions, ça fait beaucoup. 12 millions. Ah oui, c'est vrai que je peux pas faire de démarche parce que j'ai l'équipe au complet. Allez, on va le libérer de son contrat. Qui c'est qu'on a ? Voilà. Et du coup, là ça marche et on peut faire un achat. À hauteur de, on a 7 millions. On va proposer 3. 60 000, il gagne. Pour l'enfoiré, quoi. Ils vont jamais nous vendre à ce prix-là. Là. Sur un malentendu, pourquoi pas. Allez, Villalba, ça serait bien qu'il nous rejoigne. Proposition de transfert. Cameron Gayle. On va essayer un peu de négocier. $975, tu me donnes sa valeur et je te le vends, il n'y a pas de problème. Milik qui refuse. San Lorenzo, 11 millions en provenance de Paris. Bon, bah d'accord. Bah d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Je pense pas qu'on aura Milik, hein, il est trop compliqué. Ah, Villalba qui accepte. Villalba qui accepte, Zampa qui part. Et Daniele Villalba, le héros.
qui est là. Et il s'aligne sur la proposition, donc on va perdre Gale. Mais, on a chopé un Villalba qui a toujours 70 après 5 saisons, c'est quand même assez lamentable, mais la fusée Villalba, on va la mettre à la place de Sow. Villalba est très attendu pour ses débuts, bah, il va pas jouer. On va pas le faire jouer dans un match comme ça quand même. On va jouer avec l'équipe B, avec un Alvarez devant. Avec un Alvarez devant, parce qu'Alvarez est en forme. Avec un Abraham Erdem, Guinelli. On peut se mettre une paire Bouffal Fagundes. Et on va se changer le banc, juste. Voilà. Edgarier, Correa, Baker, il est toujours en train d'essayer de récupérer. Donc on va le laisser comme ça. Rusnak, Erdem. Abraham, c'est parfait. C'est parfait. On a perdu Zampa, mais Zampa, il jouait pas beaucoup. Hein. Il jouait pas beaucoup. Alvarez, Fagundes, Bouffal devant. Deux nouveaux joueurs. Non, pas deux nouveaux joueurs. Un seul nouveau joueur. Fagundes qui va démarrer en tant que titulaire. Bon, c'est un match de Capital One, donc c'est le match, on s'en fout. Mais bon, c'est quand même une demi-finale. Ça se joue, comme dirait l'autre. Ça se joue avec l'équipe B, bien entendu, mais ça se joue quand même. De toute façon, il faut que mon banc il joue, il n'y a pas à chier, il faut qu'il prenne confiance, mon banc. Voilà, voilà le but. L'ouverture du score de Walsall. Putain. Ça, c'était obligé. Vu la façon dont le ballon est tourné, c'était obligé. Bon, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Allez, maintenant, il faut aller chercher à égaliser. On est à l'extérieur. Hein. On est chez... Non, c'est pas pour là. On est chez eux, donc bon. C'est pas trop grave. Il suffit qu'on gagne 2-0 chez nous et puis c'est plié, donc bon, c'est pas grand chose. Non. Erdem. Attends, Erdem, il a de la vitesse par contre. Hein. C'est vrai qu'Erdem, il a quand même vachement de vitesse pour un milieu défensif, c'est très, très appréciable. Non. On a fait une passe à la PES là, mon garçon. Passe en profondeur à la PES. Ça sort. Allez. Hop. Il faut attaquer les enfants, il faut attaquer là, il n'y a personne qui aide à l'offensive là. Non ! Bouffal. Ça sort ? Non, ça sort pas en plus. Allez. Wouah! Putain, il a tout emporté en passant, mais c'est normal. Allez, Rusnak, il était magnifique ton tacle, Rusnak. Très très beau tacle. Voilà la faute sur l'arbitre. Allez. Non! Les gars, vous entendez pas bien là. Les gars, vous entendez pas bien là. Vous êtes pas dans la même longueur d'onde. Et ça attaque pas assez. Oula, monsieur l'arbitre, la faute là. Mais je suis sûr qu'il touche à peine le ballon. Sauf qu'il me démonte en passant. Il me démonte. Le tacle dur. Putain, et ça sort quoi. Et ça sort. Allez. Rusnak. Non, Rusnak, t'as pas le droit. Quoi? Non, monsieur l'arbitre, t'es un enfoiré. T'as pas le droit, j'ai pas fait faute. Où est-ce qu'elle est la faute?
L'arbitre il me siffle une faute imaginaire. Ah non, putain, mais les gars. Vous avez vu un peu vos contrôles quand même. On bouffa l'Erdem. La bouffa l'Abran. C'est pas des contrôles tolérables ça. Ah, c'est une sortie de but. C'est pas des contrôles tolérables ça. Le mec il a pas le droit. C'est même pas un mauvais contrôle là. Ah! Putain. Oh là là, monsieur l'arbitre! Oh, cette grosse faute là, ça vaut un carton. Ça. Je suis désolé, là tu lui mets un carton. Gars. Là t'as pas, tu peux pas laisser passer un truc comme ça, monsieur l'arbitre. Wouah! Quelle frappe! Quelle belle frappe! Quelle belle frappe quand même de Fagundes! Ouais, tu lui mets un carton, c'est obligé là. C'est obligé là. C'est obligé. Bradshaw. Oh non, elle est trop forte. Putain. Elle est trop forte. Bon, mais ça va être la mi-temps. On est toujours mené 1-0. Il faut changer ça. En étant beaucoup plus offensif, les gars. Putain, comment il peut garder le ballon quoi. Allez. Ouais, un tir encadré, un but. C'est la chance. C'est la chance. Non, bah ils avaient fait une belle combinaison. Une combinaison totalement imparable. La défense n'était plus au marquage. Et à ce moment-là, tu ne peux rien faire. Pourquoi c'est Fagundes qui est en position d'avant-centre? On peut m'expliquer. La tête et le but. L'égalisation. Abraham qui met la tête. Et il est tout seul au second poteau. Normalement, le centre était pour Fagundes. Hein, mais bon. Enfin, pour Bouffal. Bouffal de l'autre côté. Alvarez qui passe D, je crois. Je crois que c'est Alvarez qui passe D. Pakowski. Ouais, c'est Alvarez qui passe D sur ce centre. Et Abraham qui met une bonne tête hein, quand même. Hein. Ce n'est pas forcément évident à mettre, ça, là. Allez, il faut montrer le but à l'extérieur peut-être qui pourrait faire la différence. Oula, 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 oula. Faut pas encaisser de suite. Après, sinon c'est pas bon. Wow! Monsieur l'arbitre, pas laisser faire des trucs comme ça là. On l'a vu là, c'est un peu trop fort ça. Bon, Fagundes. Qu'est-ce que t'as fait, Fagundes? Tu peux m'expliquer qu'est-ce que t'as essayé de faire? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Une espèce de ciseau retourné de la mort. Tente pas trop des trucs comme ça, tu sais. T'as des collègues, ils sont déjà pas très très bons pour faire des passes. Ah non, 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 mais t'as pas compris comment il s'appelle. C'était quoi cette passe? C'est pas du tout là que je la demande. Le tac était sublime. Allez. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une ouverture? Peut-être. Peut-être là. Peut-être. Là, il y a du monde au second poteau. La tête, peut-être. Non. Et ça repart. Putain, ça repart dans le bon sens. Une tête slash dégagement. Allez. IB. IB. Il s'appelle pas IB, il s'appelle IE. IB, c'est l'autre, c'est l'ailier. Bien joué Fagundes, quel dribble, quel crochet de Fagundes, l'accélération de Fagundes, il a la... Oh non, mais il a la vitesse Fagundes là. C'est quoi cette vieille arnaque? La frappe de Abraham. Et c'est le dégagement. L'équipe de Walsall qui est poussée dans ses derniers retranchements.
La frappe et le but. Le but d'Alvarez. Alvarez passeur. Alvarez buteur sur ce match. Bien joué. On va faire des petits changements. Azog va rentrer. Mori va rentrer. Et... Fagundes va passer en MOC et on va faire entrer Guinelli. Parce que je sens que Fagundes il peut être pas trop mal en MOC. J'ai la sensation que c'est faisable. Accélération d'Alvarez. Et pour ensuite enchaîner la frappe. Merde, on fait pas start pour passer les scènes. Allez, pour l'instant on mène 2 buts à 1 sur la pelouse de Walsall dans ce match. Wow. Allez, bien joué cette récupération. Oh, monsieur l'arbitre! Oh, c'est totalement une faute, ça! Il n'a pas le droit! Il n'a pas le droit de faire un truc comme ça. Non! C'est quoi ce ballon redonné à l'adversaire? C'est quoi ce ballon redonné à l'adversaire? Qui c'est qui m'a fait ça? Oh, bien joué Fagundes, bien joué Fagundes, l'accélération, Fagundes qui passe à Alvarez, la frappe et le but d'Alvarez, la passe de Fagundes, 3 buts à 1, 3 buts à 1 dans ce match, quel retournement de situation, le doublé d'Alvarez, Alvarez homme du match, Alvarez homme du match, cette magnifique travail de Fagundes sur le côté. En fait, il a pas trop de vitesse que ça. Fagundes. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il est quand même utile. Hein. Il a eu un impact. C'est indéniable, il a un impact sur ce match. Il nous permet de mener. Allez, on va aller chercher de l'autre côté. Alvarez. On a vu Guinelli là-haut. Ça sera peut-être un petit peu court. Ouais. Allez, joueurs de Walsall qui vont chercher... à égaliser, peut-être essayer de créer la surprise en cette fin de match, mais c'est mal barré, c'est mal barré. Allez, peut-être, hop là, merde, Guinelli qui donne le ballon à l'adversaire, parce que Guinelli il est fair play. quelle relance incroyable. Clifford pour Walsall. Dans le rond central, et c'est terminé. C'est la victoire 3-1. Après avoir été mené 1-0, ça fait plaisir. Victoire à l'extérieur. On a un Alvarez homme du match. Si on a un Alvarez homme du match, tout va bien. Provision de transfert pour Mehdi Zéphan. 1 million 2. Il vaut 1 million 6, Mehdi Zéphan. Non, tu peux me donner 1 million 750. Il est au con, c'est celui qui vaut si cher. Transfert rejeté, nous avons accepté. Ouais, mais. Ouais, contre 11 millions, je suis désolé, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Acheter 2 millions, oui. Buena casa. Pas du beaucoup. Beaucoup progressé, le garçon. Bon, après, je pense que. Paulinho, je veux partir. 1 million 6. 1 million 6, allez, j'accepte ton offre à 1 million 6. On va perdre Zéphane et Gail. Tu veux partir? Tu es trop cher. 2 millions, ça va? Allez, prochain match contre Cardiff. On va jouer avec l'équipe A. Sélectionneur du Brésil. Non, mais ça va. Sinon, ça va. Allez, on va jouer contre Cardiff City avec un Kister Villalba devant. Avec un saut sur le banc, un Alvarez qui va être la lame plaçant. Il faut qu'il reprenne du courage, l'Overage. Il faut qu'il reprenne du courage, de la patate, de la niaque. Avec qui c'est qu'on va mettre? Avec un Bernier sur le banc. Avec un Macha Mate sur le banc aussi. Un Lopez qui est en bonne forme. Allez, Blackett, il manque plus que toi qui doit être en bonne forme. Un Baker qui est encore en convalescence. Donc, on va le laisser.
Abdullah est quand même à 74. Hein. C'est pas mal. Hein. Un agent libre. Hein. Je le rappelle, un agent libre. J'ai pas perdu le ballon. La frappe parateur qui passe à côté. Hop. Il faudrait que je fasse des trucs comme ça, moi, en match. Hop. Mais bon, j'y pense jamais à le faire. Allez, Cardiff City. Sous la pluie. On va essayer de faire le... Ce serait bien le retour contre Walsall, du coup. Parce qu'il y a un match retour. Allez, très très bonne récupération, là. Ouais. Kister, c'était bien joué, Kister. Ça c'est une espèce de relance. Une relance vue de l'espace. Allez, on va jouer là-haut. Allez, avec Azog. Azog qui peut passer, mais Kister qui a pas compris. Kister, il a pas compris que le ballon était pour lui. Alors qu'il aurait pu aller la chercher, il était devant. Il était devant, mais il a pas compris son collègue. Hop là. Bien récupéré. Allez, hop. On rejoue. Van Beek, je crois qu'il fait un très très bon début de match. Non, c'était le celui qui est hors jeu. Non, il est pas hors jeu, Benazé. Il est pas hors jeu, Benazé. L'accélération de Benazé. Non, il se fait piquer le ballon. Début de match assez calme. Allez, Van Beek qui va jouer pour le gardien. Lewis. Villalba, on le voit pas trop. Si. Bah, c'est normal, il est pas très grand. Mais à côté de Kister, c'est normal qu'on le voie pas. Mais il a la vitesse. C'est l'homme de la vitesse. L'homme des contres. C'est dommage cette occasion. Bien joué. Van Beek qui fait un match, mais incroyable. Il est intenable au milieu de terrain. Non ! C'est quoi cette passe ? Bedimo par contre qui est pas franchement totalement dans son match. Parce que c'est Van Beek qui fait tout. Allez, premier ballon pour Villalba. Qui va passer. Hop. La frappe. Oh, dommage. Dommage, ça fait deux frappes que Lewis s'arrête. Il est hors jeu. Villalba, dommage. Il passe pas revenu assez vite, Keiko. En tout cas, Kister est extrêmement en forme. Hein. La frappe de Kister et l'ouverture de score de Kister. Ouais, c'est ça. Kister est totalement en forme. Putain, il s'est relevé quand il était... Il s'est relevé d'après son but. Il a couru... 20 cm. Après, il a glissé comme s'il avait couru 5 mètres. Et le but de Kister, c'est son deuxième but seulement. Il est pas mal, Kister. J'ai l'impression qu'il est quand même... bien ce qu'il me semblait, il a quand même plus d'impact que Sow. Je le trouve meilleur que Sow. Oh là là, quelle récupération de Van Beek encore, mais... Il me fait un de ces matchs, Van Beek. Ah, dommage. Allez, Villalba, tu restes trop en retrait, Villalba. Oh non! Bien joué. Très très bien joué. Défensivement parlant, c'est... Niveau de la récupération. Ouais, Villalba, c'est dommage. Villalba, il n'a pas la tête dans le match encore. Il n'a pas la tête dans le match. Il faut le réveiller, Daniel. Après, il est au milieu d'une équipe qui est bien meilleure que lui, donc... Plus dur de faire la différence quand tu es au milieu d'une équipe qui est déjà très forte. Enfin, qui est théoriquement très forte. Quelle défense, encore une fois! Et ça relance sur Benazé. Benazé, il est où, Villalba?
C'est là où on a besoin de la vitesse de Villalba. Ah, dommage. Allez, la vitesse de Keiko, la frappe de Keiko. Oh là là là. Première frappe de Keiko. Keiko, hein, le nom de Villalba. Pour ceux qui ne le savent pas, le flocage, c'est comme ça qu'on dit, de Villalba. Ceux qui n'auraient pas suivi la carrière avec Orléans. Puis le miracle avec Orléans, c'est Dembélé qui nous a fait gagner avec des champions. C'est pas Villalba. Et je crois qu'il y avait passe D de Villalba aussi. Donc c'est pas n'importe qui ce Villalba. Il m'a fait gagner avec des champions avec Lens. Et il m'a fait presque gagner avec des champions avec Orléans. Donc c'est pas pour rien. C'est une valeur sûre. Il faut qu'il s'intègre. Peut-être acheter un peu trop tard. Peut-être acheter un petit peu trop tard. Non, monsieur l'arbitre. Van Beek, il fait un match parfait, là. Allez, côté mur. Van Beek passe au-dessus. Dommage, parce que je pense qu'il n'était pas assez grand, Van Beek, pour couvrir le mur. Allez. Il est totalement, mais il est monstrueusement en forme, Kister. Hein. Il est en train de totalement me faire oublier mes problèmes offensifs. Aïe. Les problèmes offensifs que j'ai pu avoir. Il est dans une forme totalement incroyable. Allez. Kister, pourquoi pas. Le centre. La frappe, non, dommage. Allez, balle. J'aurais dû la contrôler, la frappe de Van Beek. On est déjà à la 60e. Déjà, ça passe vite. Ça passe vite. Allez, on mène toujours 1-0. Mais il faut se méfier de ces joueurs de Cardiff. Parce que je sens qu'ils ne sont pas tout donnés. Même si là, on est clairement au-dessus. Mais il suffit de pas grand-chose. Allez. Ah, dommage. Dommage, Keiko. La passe pas dans le bon tempo. Elle est tout seul. Pourquoi, Abdullah? Pourquoi tu l'as laissé tout seul, ton vis-à-vis? C'est pas bien de le laisser tout seul, ton vis-à-vis, comme ça. Allez, tourne autour de la défense, on va prendre un but. Azog. Ils savent pas centrer ou quoi? Ah, quand même, ils centrent dans la surface, quoi. Allez Keiko. La passe pour Kister. Kister qui va se retrouver en face à face. La frappe de Kister, non! Kister, t'as pas le droit. T'as pas le droit sur cette contre-attaque. Azog, la frappe. Oh là 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 là. Elle était pas mal, cette frappe. Bedimo qui va sortir. Entrée de Mickey Lopez. Entrée de Griot à la place d'Azog. Et Van Beek qui passe à 76, non? Il est extrêmement défensif, Van Beek. Hein. C'est vraiment un monstre, hein. Quand tu vois ses stats, tu te dis c'est vraiment un monstre le gars, quoi. Allez, Benezé peut-être. Je commence à préférer peut-être un peu Rusnak que Benezé. Enfin que Banks. Banks est un peu moins décisif. Après il a un grand gabarit qui fait que... Je le trouve plus assez agile en fait, Banks maintenant. Allez, on se relève. Oh, c'est n'importe quoi ça. Allez, on joue sur Abdullah. Allez, on l'a vu. Keiko, c'est un peu fort ça. Ouais, oh, ça passe. Non, ça, dommage. Ça a été touché.
On a tenté le geste. On a tenté le geste. Non, ça passe dessus, c'est dommage. Je crois que le gardien, de toute façon, était dessus. On a tenté le geste. Le geste de l'Argentin. Oh, l'occasion. L'occasion pour Kister. L'occasion pour Kister. La tête. Il est hors jeu. Quel con. C'est pas grave, il aurait pu marquer son premier but. De beaucoup. Il semblait qu'il était un peu derrière. Ah, le défenseur, comment il s'est trop bien décalé, cet enfoiré, quoi. Il s'est franchement trop bien décalé, quoi. Au moment de faire la passe, quoi. Juste avant de faire la passe. Juste au moment de faire la passe. Wow. Wow, l'occasion. Bien joué, quelle belle parade. Allez, on va repartir. Ah non, laisse-moi jouer mon occasion. Bon, Keiko qui aura pas fait un mauvais match. Kister qui aurait été énorme sur ce match. Énorme le Kister. ...5-8, hein. C'est pas énorme, mais non. Non, c'est son premier match, quoi. Il vient d'Angleterre, il vient d'Argentine, il y a le décalage horaire, tout ça. Joueur vendu, Cameron Gayle est parti. On va finir la saison avec un ultra positif, ce qui ne m'arrive pas souvent. ...60 000 balles. Joueur vendu, Zéphane est parti. On a combien d'argent maintenant? On a 8 400 000. Qu'est-ce qu'on va foutre de cet argent? Ah, Villalba qui a une flèche vers le bas. C'est pas grave. Il est revenu Baker. Il est revenu Baker, mais... Sauf que Blackett, il fait le travail, là. Je le trouve intéressant, Blackett, hein. Je trouve qu'il fait le travail, et puis s'il n'est pas titulaire, il va m'en vouloir, donc... Ah, c'est après encore le match contre Walsall. Donc allez, on va faire un dernier match contre Chelsea, quatrième et dernier match. Désolé si c'est plus long, mais il faut qu'on enchaîne les matchs. Hein. Villalba qui a un petit peu une mauvaise forme, mais on va y aller comme ça. Les remplacements, c'est bon. Fagundes, Bouffal. Peut-être plus Bouffal, Fagundes. Voilà, peut-être. Et on va peut-être mettre Rusnak. Pourtant, Banks, il est quand même, il a quand même des bonnes stats. Hein. On va garder Banks. On va y aller comme ça. Kister Villalba, encore une fois. Si Kister me fait un aussi bon match contre Chelsea que... Ouh, ouh, ce tacle. Ce tacle. En plus, on joue à la maison. Face à Chelsea. Allez. Aguero. Aguero Hazard. Que les petits joueurs. Que du petit lait. Salah qui est encore là. Allez, déjà, ça commence par une grosse possession de Chelsea. Pourquoi tu reviens à la faute? Ah oui, ça allait sortir. Voilà, ça, ça va être, peut-être être joué direct. Ça peut être joué direct. Non. Voilà, là on comprend rien, on comprend rien. Oh non! Oh monsieur l'arbitre abuse! Oh comment il donne un pénalty monsieur l'arbitre! Comment il donne un péno? Oh, bon, il rentre un peu dedans aussi. Bon, eh ben ça va faire un 0 pour Chelsea. Mais je voulais pas lui rentrer dedans. Bon, ça va faire un 0 pour Chelsea. On va regarder Agüero. Je pensais qu'elle allait la mettre au milieu, enfoiré.
Bon bah ça fait 1-0 pour Chelsea. Sur un penalty, ça va quoi. Ça va. J'espère qu'il a pas pris un jaune pour un truc comme ça quand même. C'est faut pas déconner non plus. Ça vaut pas son pas un carton jaune. Il y a les deux hasards qui sont là, je crois. Il y a le Eden et il y a le Torgan. Il me semble que les deux sont là. Bon. Eh ben c'est pas grave, c'est comme si on commençait le match avec un handicap. Un arbitre vendu. Allez. Keiko, 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 la vitesse, Keiko. Ouais, monsieur l'arbitre, Kister, il a été gêné dans la surface. T'es pas à mettre un penalty? Allez, Keiko. Pour Kister, la frappe de Kister. Oh putain. Quel arrêt monumental de Courtois. Quel arrêt de Courtois sur cette passe. Allez, là, Keiko. Il est présent, Keiko, ça fait plaisir. Non, c'est pas pour là. C'est pas grave. Non, monsieur l'arbitre, il m'a attaché. Il m'a pris. Il m'a pris dans le dos, c'est obligé. Pourquoi il a fait un écart comme ça, Abdoula? C'est pas normal. Il a forcément été tirage de maillot. Il a été tirage de maillot. Allez, Azog. Ça là. Allez, Kister. Kister. Ah, oh, monsieur l'arbitre, le pénalty. Non, il y a pénalty là, il m'arrache la jambe en passant. C'est normal, il touche le ballon, mais il m'arrache la jambe en passant, c'est pas grave. C'est pas grave. Monsieur l'arbitre, il est vendu. Il est vendu, monsieur l'arbitre. Peut-être qu'il joue le ballon, mais faut pas déconner non plus. Hein. Je suis désolé, le tacle, je le trouve un peu sauvage. Hein. Moi, pour, je lui ai à peine rentré dedans dans son Torgan Hazard, il m'a mis un péno pour ça. Je suis désolé, là, il peut mettre un péno pour ça aussi. Hein. La frappe. Oh, le but. L'égalisation de Benezé. Sur cette frappe sublime qui touche la transversale. Et cette passe d'ess de Keiko. Keiko à la passe d'ess. Pour cette égalisation. Très très bonne passe de Keiko. Par contre, il a frappé au dernier moment. Là. Courtois, je pense pas qu'il puisse faire grand chose. Hein. Parce que là, elle est juste derrière le défenseur. Il doit à peine l'avoir arrivé. Elle est très très bien reprise par Benezé. Qui met une grosse mine. Allez. Allez, ça joue bien du côté de Chelsea, là. Ramirez. Il est toujours là, Ramirez. Attends, il doit être vieux. Il doit être vieux. Oh là 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 là, ça passe à côté. Quelle occasion, les gars, il faut resserrer les taux là en défense là. Il faut marquer ces vis-à-vis là. Allez. On va repartir à l'assaut. Kister. Faut mettre un peu plus de vitesse là. Un peu plus de vitesse les enfants. Allez, Bedimo là, qui me fait un bel appel. Bedimo. Bedimo. Bedimo, la frappe et le but de Bedimo. 2-1. Le but de Bedimo, il a tout fait sur ce but. Il a fait le bel appel sur le côté, il a repiqué dans l'axe, il a dribblé deux défenseurs, enfin un demi défenseur pour aller frapper, et aller tromper Courtois, qui a fait un saut sur lui-même avant d'essayer d'arrêter. Vous voyez, hop, il a fait un saut sur lui-même. Et ça fait 2-1, on mène dans ce match face à Chelsea. Et c'est mérité parce qu'on est dangereux. Bah, ils construisent vachement bien, mais on est quand même très dangereux quand on attaque. Bon, allez, tu mets une faute pour ça, quoi. C'est un tout petit contact de rien du tout. Putain, vous avez vu, un tout petit contact de rien du tout. Tout petit épaule contre épaule, il met une faute pour ça, quoi.
Allez, la défense. Allez, Keiko. Keiko, c'est ton travail, ça. Tu as la vitesse. Sauf que là, non. La petite passe pour Kister. Dommage, elle est un peu trop profonde. Ouh, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, ça joue physique du côté de Chelsea. Ça a failli déclencher un pénalty dans la surface. Ça aurait pas été mérité parce que là... Là aussi, c'était un tacle d'une salitude incroyable. Allez, la passe pour Kister. La frappe de Kister et le but. 3 buts à 1. Quel sublime jeu de passe. Le début de la seconde période qui commence parfaitement. Avec ce but de Kister sur cette magnifique jeu de passe là. Défenseurs de Chelsea qui n'ont rien compris. Quasiment, allez, peut-être quasiment une touche. Quasiment. Un petit contrôle de Van Beek, je crois. Et Courtois qui est battu. On est bien dans ce match. On est bien. On se laisse pas faire. On se laisse pas faire. Oui, oui. Nous, on n'a pas peur des blues en jaune. Allez, la tête. Van Beek encore à la récupération. Van Beek qui me fait un épisode remarquable. Je tiens à le signaler. Je le dis quand ça joue pas bien, mais je le dis quand ça joue bien. Van Beek qui me fait un épisode remarquable. La frappe de Keiko. Elle était sublime, la frappe de Keiko. Elle aurait pu surprendre Courtois au premier poteau. Quelle frappe de Keiko. La tête peut-être Bedimo. La frappe de Bedimo. Elle aurait pu passer, elle était cadrée. Elle était enroulée cadrée. Bien joué, quelle belle défense. Quelle belle défense. Bah, c'était pas pour Kister, mais c'est pas grave. Allez, la belle passe pour ça, Azog. Azog qui passe à Keiko. La frappe de Keiko, le but, 4 buts à 1. C'est la correction. Le but de Keiko. C'est la correction. Tiens, t'as voulu mettre un péno, enfoiré. Oh là, en plus, le sale tacle qui prend Keiko. Hop là, bim. Dans les tibias. Bel arrachage de tibia. Heureusement, quand on marque un but, on est immunisé contre la blessure. Parce que ça en vrai, tacle comme ça, là, tu prends blessure directe. Enfin, déjà, le joueur de Chelsea, il prend déjà un gros coup dans l'entrejambe. Allez, maintenant, ça va essayer de jouer dur à Chelsea. Mourinho est en train de venir fou sur son banc. Ça va jouer en bas, ça. C'était sûr. Bon, très très belle récupération d'Abdoulah. C'était sublime. Allez, on va jouer. Non, t'étais pas aussi derrière que je voulais jouer. Non, c'était pour Benzé. 68e. Quel mauvais ballon. Quel mauvais ballon, le joueur de Chelsea qui n'y arrive plus. La passe. Oh, ça passe en plus, cette magnifique ouverture pour Benozé. Benozé, non, il va pas pouvoir récupérer ce ballon. Il va pas pouvoir récupérer le ballon. Dommage. C'est quelle belle ouverture pour Benozé. Je l'avais vu partir, le Benozé. Allez, Bedimo, on va pas tarder à faire des changements. Dans ce match ô combien important contre un gros adversaire, je crois. Je sais même pas comment ils sont classés. Bon, avec une équipe comme ça quand même. Ils te doivent être bien classés, c'est leur jeu. On va faire des changements. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire entrer de la vitesse à la place de Benezé, comme si on n'avait pas assez. On va faire entrer Saut à la place de Kister. On va faire entrer de la vitesse encore une fois. Van Beek fait un match monstrueux, tu peux pas le sortir sur un match comme ça. On va faire sortir Bedimo, faire entrer Erdem, la vitesse d'Erdem peut-être. Associé à la vitesse de...
La vitesse de Boufale en MOC, peut-être que ça peut faire des étincelles dans cette fin de rencontre. Et la vitesse de Saut peut-être. Oh là là. Saut, il aurait pu en profiter, sauf qu'il n'y a pas cru. Cette passe au gardien aurait pu faire mal. Allez, Keiko. Keiko, la vitesse de Keiko. La vitesse de Keiko. La vitesse de Keiko. La frappe, c'est le but. Quel missile. Quel missile. Le missile de Boufal. Le missile de Boufal. Voilà, il peut rien faire pour toi. Là, il est fusillé, là. Ça fait 5 buts à 1. C'est la correction pour celle-ci. Qui vient chercher la fessée à la maison. Ah, ben là, on retrouve du jeu, là. Là, c'est bien. Ça fait plaisir à regarder, ça, non? C'est pas mieux? C'est pas mieux. Peut-être une petite réduction de l'écart. Même pas. Même pas. Ils arrivent à rien, les joueurs de Chelsea. On a l'occasion peut-être d'en mettre un. Hop là. Non. Un peu trop long. Dommage. Un peu trop grosse poussée de balle. Mais c'est la bonne récupération de Van Beek. Qui fait un épisode mais monstrueux. C'est pour nous, non? C'est pas pour nous. Bim. Van Beek encore une fois. Quelle qualité dans ce joueur. Quelle qualité. Merde. Il est quand même monstrueux ce Van Beek. Bien fait de l'acheter. Il est vraiment très très bon. 90e. On dirige vers une fin de match tranquille pour les joueurs de Shrewsbury qui ont rempli leur part du contrat. C'est la grosse victoire. 5 buts à 1 sur Chelsea. À la raclée pour Mourinho. La raclée. Et Keiko qui aurait fait un bon match. Passe des buts. Et c'est l'homme du match pour son deuxième match avec notre équipe. C'est l'homme du match. Bon, Saul, il a pas pu beaucoup jouer. Les remplaçants sont tous marqués. Benazé, Kister, Bedimo. En fait, j'ai fait sortir ceux qui ont marqué. Boufal et Vidalba. Passe de Van Beek à Zoc. Combien il a eu Van Beek? Van Beek 8. Ouais, franchement, Van Beek, il mérite plus que ça parce qu'il était monstrueux. Abdoulaye, il a fait des bonnes récupérations aussi. Bedimo 7-4, il a été bon aussi, Bedimo. Ouais. 8, j'aurais même bien mis un 8-5 pour Van Beek parce qu'il était vraiment monstrueux. Il fait vraiment des récupérations de dingue. Sur tout l'épisode. Rapporterait un peu d'argent, bah c'est sûr. Ouais, rapporterait une 20aine de millions, ça fait toujours plaisir. Bon, on va lancer ce combat, mais on va s'arrêter ici. C'est qui lui? Porting Rihon, c'est qui lui? C'est le mec que j'avais dans mon... Bon, on s'en fout, on va pas changer, non? On est très bien comme ça, là. Demande de prêt, Mathias Hoyos. Bon, on va faire prêter des gens parce qu'il y en a qui se plaignent, ils sont casse-couilles. Hoyos, c'est vrai, Lorenzo Poké, là, ça serait bien qu'il... Arriver à acheter 3 millions à la Fiorentina, ça fait beaucoup. On va le mettre sur la liste des prêts. Et c'est qui? C'est Ye qui veut partir. Il a 24 ans. Je suis par ce moment que je vais le mettre en prêt seulement. Je vais le mettre en prêt. Tant pis, hein. Je vais utiliser Baker. Baker, Aroas Correa derrière. Enfin, en deuxième équipe. Et Ty et Blackett devant. Parce que Blackett, je le trouve très très bon. Là, il fait très très bon retour. Manager en sens Bradshaw. Ben Yedder qui veut aller à la SSE. Enfin, plutôt la SSE qui veut Ben Yedder. Cheikh Diabaté au Celta Vigo. Il y en a qui achètent vraiment n'importe quoi. Allez, je déconne. Allez, on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker. Ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure sur FIFA 15 avec Shrewsbury. Allez, ciao.